dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, chaque année, il y a combien de nouveaux diabétiques à La Réunion? Je dirais au moins 500. Il y a de plus en plus. Hein. Le nom, je ne peux pas vous dire, mais dans chaque famille, on en trouve un ou deux. Hein. Aucune idée. Par rapport à la population, 15 000 Une dizaine de milliers, peut-être. Une dizaine de milliers, c'est du pessimisme tout ça. Bon, le chiffre exact, c'est 4600 tous les ans. Le diabète en chiffres. En 2018, un Réunionnais sur 10 était diabétique. C'est deux fois plus qu'en France hexagonale. 4600 nouveaux patients diabétiques sont pris en charge par an. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un souci quelque part. D'accord. Ben, on est le premier étonné. Qui est à risque de devenir diabétique? On doit tous se poser la question. À savoir que le risque de diabète augmente. Avec l'âge et le surpoids, des antécédents de diabète chez les parents ou frères et sœurs, la présence d'un diabète pendant la grossesse, la présence d'une hypertension artérielle traitée, une alimentation trop riche en gras et en sucre, une alimentation pauvre en légumes, la station assise ou allongée prolongée, l'absence d'activité physique régulière. Selon vous, comment faire pour savoir si on est diabétique ? Des prises de sang pour savoir, parce qu'on ne peut pas diagnostiquer en regardant... Un dépistage, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse de prise de sang pour savoir le taux de sucre dans le sang et si on est dans les normes ou pas. Prendre rendez-vous chez un médecin et on peut... On peut se faire piquer aussi, et des prises de sang et aussi les tests d'urine. On va se faire dépister. Il y a la possibilité de se faire dans les hôpitaux et autres. Comment savoir si on est diabétique? Avec le médecin traitant qui prescrit une prise de sang à jeun avec mesure de la glycémie, soit le taux de sucre dans le sang. Le médecin peut aussi demander la mesure de la glycémie avant et 2 heures après la prise de glucose. Le test se fait en laboratoire. Il est important de faire le bilan régulièrement, car la glycémie peut être normale une année et anormale l'année suivante, surtout si on présente des facteurs de risque cités précédemment. On va jouer au sucré, pas sucré, histoire de savoir. Très bien. Par exemple, si je vous dis orange. Sucré, orange. Fruit de mer. Pas sucré. Citron. Pas sucré. Ah ah, le citron est plus sucré que la fraise. Caritan. Sucré. Samoussa. Et c'est salé. Les fraises. Sucré. Le soda sans sucre. Encore avec un peu de sucre. Manioc. Et sucré. Parapluie. Parapluie. Un parapluie, c'est pas sucré. Bah non, mais c'est juste pour savoir si vous le saviez. Un masque. Aucun des deux.